Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement sous pression après la multiplication des enlèvements des autorités administratives sur le théâtre de la crise anglophone. Batibo est devenu au fil des ans le foyer des tensions sécuritaires et le symbole de la gravité de la crise anglophone. À suivre dans ce journal une immersion au cœur de ce foyer d'insécurité avec des reportages exclusifs, des témoignages troublants des populations et une armée en état d'alerte maximale dans le chaudron de la crise anglophone. Ce carnet de route de nos envoyés spéciaux sera commenté ce soir par le candidat SDF à l'élection présidentielle 2018, Joshua Ossier, l'invité politique du 20h. Son investiture a suscité une des secousses sismiques jusqu'à Yaoundé, et vous suivrez dans ce journal, il suscite espoir et critique à 8 mois de l'élection présidentielle. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans le chaudron de la crise anglophone, Batibo est désormais le principal foyer d'insécurité où se multiplient les enlèvements des autorités administratives. Après le sous-préfet, c'est le délégué régional des affaires sociales qui a été kidnappé et ces événements surviennent en l'espace de 2 semaines. Nos envoyés spéciaux, Eric Martial-Ndiomo, Innocent Abega et Mimi Meufo, ont enquêté sur les traces de ces personnalités qui ont été enlevées sur le théâtre de la crise anglophone. Reportage. Nous nous trouvons en ce moment sur la véranda du domicile du sous-préfet enlevé de Batibo, le domicile qu'occupait Namata Marcel Diteng avant son enlèvement le 11 février dernier. Un domicile qui est donc scellé, fermé, un domicile de fonction quelque peu modeste. En tout cas, c'est le domicile de monsieur le sous-préfet. On constate aussi que le sous-préfet intérimaire affecté ici n'a pas occupé ici que le sous-préfet intérimaire affecté ici n'a pas occupé ce domicile qui reste sous le contrôle des forces de défense et de sécurité depuis l'enlèvement de monsieur le sous-préfet le 11 février dernier. À l'intérieur, on peut constater que tout pratiquement s'y retrouve. D'ici, on peut apercevoir les canapés, on peut apercevoir les rideaux qui avaient été installés par monsieur le sous-préfet. Et un tour du propriétaire peut aussi permettre de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui aura véritablement bougé depuis cet enlèvement de monsieur le sous-préfet. En tout cas, les forces de sécurité continuent à entretenir donc ce domicile depuis ce malheureux événement du 11 février dernier. On note aussi que c'est un lieu qui n'est pas forcément accessible au public depuis la survenance de ces événements ou de cet événement du 11 février dernier, un lieu fortement gardé par les forces de sécurité et de défense. On peut aussi constater que malheureusement c'est une maison qui, en tout cas au niveau de ses ouvertures, au niveau de ses fenêtres, avait été fortement rafistolée. Le sous-préfet et sa famille qui vivaient donc dans cette maison enlevée depuis et malheureusement introuvable depuis la survenance de ces événements. On a encore vu ce dimanche la descente de monsieur le préfet du département de la Momo qui est venu relancer ses troupes, renforcer ses troupes et surtout remotiver ses troupes afin que monsieur le sous-préfet Namata Marcel Diteng soit retrouvé. Nous nous trouvons ici à la façade arrière de ce domicile de monsieur le sous-préfet qui l'occupait avec sa famille jusqu'à cet enlèvement. On précise aussi que sa famille l'occupait avec sa famille jusqu'à cet enlèvement. On précise aussi que sa famille a quitté les lieux quelques jours après cet enlèvement sous forte escorte des forces de sécurité avec la cuisine donc qui était forcément un lieu qu'occupait la dame
même de M. Namata, l'arrière-cour avec un beau pâturage et surtout l'on nous fait savoir ici des moutons et quelques animaux qui profitent donc de ce pâturage. Voilà donc ce domicile de M. le préfet qui est devenu aussi pour beaucoup d'habitants de Batibo un lieu de pèlerinage puisque pour tous ceux qui arrivent à Batibo, il est question de voir où est ce domicile, où habitait monsieur le sous-préfet. Et il faut dire que ce n'est pas loin d'ici qu'il avait été enlevé à quelques mètres seulement de ce domicile que monsieur le sous-préfet avait été enlevé. Et vous constatez que même sur cette façade arrière, les portes restent bloquées, voilà, puisque il est question donc que ce lieu reste gardé. On peut constater que cette chambre, elle, est réservée aux forces de sécurité qui assurent justement la sécurité de ce lieu, puisque le portail lui est ouvert. On peut apercevoir donc un lit de fortune qui est aménagé, mais pour ce qui est de l'entrée principale ou des entrées principales, tout reste jusqu'ici fermé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce domicile. Restons à Batibo, foyer d'insécurité, symbole de la gravité de la crise anglophone, une ville fantôme. Depuis 2016, plusieurs établissements scolaires sont restés fermés, des salles de classe qui sont désertées par des élèves et sur les tableaux étaient fermés des salles de classe qui sont désertées par des élèves et sur les tableaux l'on peut voir qu'il n'y a pas eu de cours depuis 2016, une situation très difficile pour la communauté éducative. Des populations apeurées ont fui leur terre. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux en plein cœur de ce foyer d'insécurité à Batibo, dans le chaudron de la crise anglophone. Voici à quoi ressemble l'essentiel des établissements scolaires de l'arrondissement de Batibo, département de la Momo, dans la région du Nord-Ouest. Bâtiments abandonnés, herbes sauvages régnant en maîtresse absolue, nous sommes ici, au lycée technique de Batibo. Dans certaines salles, les derniers cours ont eu lieu en 2016. Sur les bancs, l'épaisseur de la poussière s'évalue à certains endroits en centimètres. Quelques salles sont fermées depuis des lustres à l'aide de ces cadenas. Parmi elles, certaines avec des machines qui servaient à l'application pratique. Ces machines, en raison de l'usure du temps et de l'abandon, se détériorent au fur et à mesure. Sur les vérandas, animaux et insectes ont élu domicile grâce à la quiétude régnant dans les lieux. Dans cette partie du pays, le système éducatif paye un lourd tribut suite à cette crise anglophone, complètement paralysée qu'il est. Ces localités où des assaillants affrontent l'armée régulièrement, vous allez le découvrir dans le reportage qui va suivre, une station de pesage criblée de balles, des personnels qui doivent affronter la peur au quotidien malgré le renforcement de la sécurité avec un déploiement important. Malgré le renforcement de la sécurité avec un déploiement important des forces de sécurité, la situation sécuritaire ne s'est pas vraiment améliorée. Reportage avec nos envoyés spéciaux Eric Massian-Jomo et Innocent Abega. Nous sommes ici au poste de pesage de Bundi dans l'arrondissement de Batibo, un poste de pesage qui fait très régulièrement objet d'attaques qui viennent de toutes parts. De ce côté, l'on peut constater donc ces impacts de balles sur le mur, impacts de balles que l'on retrouve pratiquement sur chacun
des côtés des murs de ce poste de pesage. On peut aussi constater, en regardant le parking, que on retrouve des traces de véhicules brûlés. Il y a des véhicules qui ont tout aussi fait l'objet de vandalisme de la part de ces sécessionnistes. Et selon les témoignages des personnes ici au pesage de Bundi, les attaques sont perpétrées de façon constante. Un pesage qui, faut-il le rappeler, est situé tout juste en bordure de route et la proximité avec la route, selon donc les employés et le personnel militaire en station ici, expose énormément ce poste de pesage à ces attaques récurrentes de la part de ces rebelles. Et donc, pour ce personnel militaire, l'on est tout simplement sur le qui-vive, un qui-vive qui impose donc un taking permanent, un qui-vive qui impose tout aussi une vigilance des plus accrues pour éviter toute surprise. Je vous annonçais dans ce journal hein, le candidat SDF à l'élection présidentielle, le député Joshua aussi. Invité politique du 20h qui va commenter ce carnet de route de nos envoyés spéciaux. Mais avant, la réaction des populations prises entre deux feux, celui des assaillants et celui des forces de sécurité. Rencontrés à Batibo, elles expriment le désarroi face à cette escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Reportage avec nos envoyés spéciaux Innocent Abega et Eric Martial Ndiomo. Il ne fait donc pas bon vivre à Batibo ces jours. Parcourir les différents quartiers permet de constater la psychose ambiante. À la vue du moindre étranger, les habitants se cloîtrent chez eux et n'en ressortent qu'une fois rassurés. Ces populations subissent les descentes fréquentes des forces de sécurité et de défense. Cette dame explique à quel point c'est traumatisant. Entre villages morts, absence de cours dans les établissements scolaires, problèmes financiers et pression des hommes en tenue, c'est véritablement infernal selon elle. Des populations généralement partagées entre deux feux, celui des forces de défense et celui des sécessionnistes. Elle s'habitue aux coups de feu constants. Entre s'ouvrir aux forces de sécurité, livrer des informations clés sur les sécessionnistes et se taire pour ne pas s'attirer la foudre de ces derniers, le choix est vite fait. Motus et bouche cousue. En date du 13 février 2018, un groupe et bouche cousue. En date du 13 février 2018, un groupe bien armé non identifié. Sont passés au centre de santé, demandé aux patients qu'ils veulent voir le chef de centre qui est ici. Les patients ont fait comprendre que le chef de centre n'était pas là. Mais ces gars-là m'ont traversé la route sans savoir que c'était le chef de centre. Ils ont dit aux patients qu'ils veulent m'enlever. Et subitement, ils ont enlevé les armes. C'était un arme de 6 coups. Ils ont tiré partout à l'hôpital, tiré sur les nacos, le plafond, la toiture, le bureau, mon bureau personnel, la maternité, la salle d'accouchement. Donc présentement, le centre est fermé, ils ont tout saccagé. L'administration, exaspérée par cette situation, accuse ces populations de complicité. Car, dit-on, à ce niveau-là, elles savent qui sont les auteurs d'enlèvement ou de vandalisme, mais croient faire le bon choix pour leur sécurité en se taisant. Et en partant, ils ont laissé un message à un papa en route que si le chef de centre rentre, dites-lui qui reviendra encore les visiter. Des reportages exclusifs réalisés dans ce foyer d'insécurité à Batibo, qui est devenu le symbole de la gravité de la crise anglophone. Sur ce plateau avec nous, le député Joshua aussi. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à SDF à l'élection présidentielle. Vous avez suivi
ces témoignages des populations prises entre deux feux, celui des assaillants qui viennent de nulle part et les forces de sécurité qui doivent préserver l'intégrité du territoire. Comment vous réagissez? Écoutez, c'est une situation en même temps alarmante et triste parce que elle n'était pas nécessaire. Le gouvernement avait d'autres moyens que celle de déclarer la guerre contre ses propres citoyens. Malheureusement, les pointements avaient d'autres moyens que celle de déclarer la guerre contre ses propres citoyens. Malheureusement, les populations civiles se retrouvent entre le feu de deux parties en conflit. Ces parties en conflit ont des positions extrémistes et font souffrir atrocement ces populations-là. Dans le sud-ouest, la situation est même plus grave qu'à Batibo. Je sais que vous parlez de Batibo parce qu'il y a deux éléments de l'autorité administrative. Le sous-préfet de Batibo et le délégué régional affaires sociales pour le nord-ouest. Qui sont pris en otage. J'espère qu'ils sont bien traités et j'espère qu'ils vont revenir sains et saufs. Et j'espère que le gouvernement va faire autant d'efforts pour ces membres de l'administration qui l'ont fait pour les étrangers qui étaient kidnappés par Boko Haram. Et j'aimerais juste ici vous rappeler, M. Doufélé, que le gouvernement camerounais a pu négocier avec Boko Haram, ce qui est un groupe extrémiste religieux. Alors je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas discuter avec ces gens-là. Au lieu de mettre toutes ces populations-là entre le feu de deux parties en conflit qui n'ont absolument rien à voir avec les populations, en fait un conflit qui ne concerne même pas toutes ces populations-là. Vous savez, quand vous allez au sud-ouest aujourd'hui, je dirais au moins la moitié des villages, les gens vivent en forêt. Ils sont cachés et ils souffrent atrocement. Les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital, les villages sont ensuite rasés. Dès qu'il y a une attaque dans un village, les forces de défense viennent par la suite et il y a une razzia qui s'opère, il y a plein de gens qui sont en prison, malheureusement parce que ce gouvernement a l'habitude des punitions collectives, comme ils l'ont fait avec Internet pendant très longtemps. Justement, pour répondre à cette crise, à cette escalade de violences meurtrières, le chef de l'État a choisi de créer une cinquième région militaire inter-escalade de violences meurtrières. Le chef de l'État a choisi de créer une cinquième région militaire interarmée avec poste de commandement à Bamenda, jusqu'ici Paul Biaprom, d'abord la sécurisation de ces régions, et on perçoit que la voix du SDF est inaudible dans ce concert de solutions de sortie de crise. Écoutez, j'aimerais déjà dire que le fait de créer une cinquième région militaire démontre à merveille que M. Biya ne sait pas de quoi il s'agit et n'a aucune idée de comment apporter une solution à ce problème, parce que le problème n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. Ce n'est pas avec l'armée qu'on va résoudre les problèmes avec son propre peuple. Si le contribuable paye des impôts pour qu'on ait des forces de défense et de défendre le territoire camerounais et non d'envoyer ses militaires contre les Camerounais, même si on n'est pas d'accord avec eux. J'aimerais juste dire ici que nos forces de défense et de sécurité sont organisées de telle façon qu'on a une armée pour l'intégrité du territoire national et pour défendre notre pays. On a une gendarmerie qui est une police de proximité dans les zones rurales et on a une police. Alors il ne faut pas confondre les choses. Quand vous envoyez des chars de combat dans des villages, etc., quand vous pensez que la solution à une crise politique est essentiellement militaire, vous vous trompez complètement. Parce que tôt ou tard, les Camerounais devront se parler. Une partie des Camerounais ne peuvent pas devenir otages, même si c'est une infime minorité de ces parties du Cameroun. Et ils ne deviendront pas otages de la République pour tous les temps. Tôt ou tard, il faudrait se parler. Vous savez, même après un siècle d'apartheid, les Sud-Africains ont su se parler. Même après les atrocités qu'il y a eu en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont su se parler et on a mis un plan Marshall en place pour redévelopper l'Allemagne qui avait commis ces atrocités-là. Donc les punitions collectives, les solutions militaires ne sont pas les solutions aux problèmes actuels. Et c'est pour cela qu'au niveau du CIV, les solutions militaires ne sont pas les solutions aux problèmes actuels. Et c'est pour cela qu'au niveau du SDF, nous le disons depuis fort longtemps, que cette année est une année électorale.
Et nous pensons que puisque M. Biya est incapable d'apporter des solutions, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté politique de discuter avec les gens avec lesquels il pense qu'il n'a rien à se dire, mais par contre, il est très fort quand il faut aller discuter avec des extrémistes d'une secte religieuse, notamment Boko Haram. Je pense que tout ce qui reste à faire aux Camerounais, c'est de changer le leadership pour donner un leadership à ce pays qui est capable d'apporter des solutions à ce genre de problème. Et je ne veux pas venir ici vous dire « voilà la solution, voilà la solution ». Je veux vous dire que la solution commence par avoir une volonté de discuter avec ces gens, même si on est fondamentalement en désaccord, parce que qu'on le veuille ou pas, quelque part, ce sont des Camerounais. Justement, des Camerounais qui sont prises en otage, déjà deux autorités administratives enlevées en l'espace de 2 semaines, et des analystes estiment qu'il y a déjà une stratégie qui se dessine derrière les actions menées par ces assaillants inconnus. Ils souhaitent mettre une pression sur le gouvernement afin d'ouvrir des négociations avec le leader séparatiste arrêté au Nigeria et extradé vers le Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Jilingé Nyondé. Batibo, foyer d'insécurité, est le théâtre d'un nouveau kidnapping d'une autorité administrative. 2 semaines après l'enlèvement du sous-préfet, c'est le délégué régional des affaires sociales qui est désormais l'otage des assaillants non identifiés. Il apparaît clairement une stratégie dans les actions menées par les auteurs de ces raptes. Cibler les symboles de l'État, créer le chaos. Le mouvement séparatiste inscrit son action dans une logique de démembrement du territoire camerounais. Ils veulent déposséder le Cameroun d'un territoire et donc ils utilisent ces moyens qui peuvent prendre deux modalités. La première, c'est qu'il s'agit d'un territoire et donc ils utilisent ces moyens qui peuvent prendre deux modalités. La première, c'est qu'il s'agit d'un démembrement physique du territoire camerounais. On a le sous-préfet qui est notamment le garant de l'ordre sur le territoire. On a par ailleurs le délégué des affaires sociales qui, lui, est le représentant direct du ministère des Affaires sociales. Donc son enlèvement d'un point de vue politique peut être interprété notamment comme une volonté de démembrer institutionnellement, d'éradiquer institutionnellement les autorités camerounaises de cette parcelle du territoire. Le renforcement des mesures sécuritaires n'a pas permis de s'y conscrire les foyers de tension qui se multiplient dans cette localité. Cette escalade de violence et cette mutation dans la stratégie des ravisseurs seraient liées à l'arrestation des leaders du mouvement séparatiste anglophone. C'est que le mouvement séparatiste essaye en tout cas aujourd'hui de trouver des moyens de pression pour exiger la libération de leur leader, Sissi Kouyaoktabi, et ses acolytes. Donc ils peuvent effectivement, à travers ces enlèvements, constituer des monnaies de rechange qu'ils utiliseront dans le cadre des négociations pour la libération de leur leader. Au-delà des actions militaires, ce chercheur en sciences politiques rejoint l'opinion dans l'idée d'ouvrir en urgence un dialogue avec toutes les parties prenantes, afin d'apaiser les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones. Déjà, deux autorités administratives à Batibo enlevées en l'espace de 2 semaines, honorable Joshua aussi. Ça commence à devenir très inquiétant pour le gouvernement camerounais dont ses représentants sont enlevés, alors que les populations s'attendaient à un renforcement des moyens sécuritaires après l'enlèvement du sous-préfet. Écoutez, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un président de la République qui déclare la guerre contre ses propres populations. Et j'en veux pas du tout aux forces de défense et de sécurité. Ils sont sous les ordres, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et d'ailleurs, très brillamment, ils sont sous les ordres, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et d'ailleurs, très brillamment, la plupart du temps. Et on se retrouve dans une situation où on déclare la guerre à des gens qui sont dans une logique asymétrique et on n'apporte pas la protection aux autorités qui sont censées représenter l'État dans ces localités. Je trouve que c'est scandaleux qu'on arrive à enlever, que 2-3 personnes arrivent à enlever un sous-préfet un 11 février. Il n'y a aucune garde rapprochée, il n'y a pas de militaires autour, etc. Et c'est ça le véritable scandale. C'est-à-dire que si vous déclarez la guerre contre ce genre de groupe, il faut vous donner les moyens de mener cette guerre pour faire en sorte, parce que quand on accuse les populations et quand on revient avec des punitions collectives, c'est parce que les populations disent une chose très simple, c'est que vous n'arrivez déjà pas à vous
sécuriser vous-même. Alors comment pouvez-vous nous garantir notre sécurité dans cette situation-là? Et donc voilà le fond du problème. Le problème, c'est que on n'a pas, on se donne pas assez de moyens pour arriver jusqu'au bout des logiques qu'on engage. Et c'est pour cela que nous disons et nous sommes convaincus que ce n'est pas la bonne logique, qu'on ne peut pas prospérer avec cette logique-là et croire qu'on peut ramener la paix, dans parce que la situation ne fait que s'empirer. Dans ce contexte d'insécurité dans les régions anglophones, à l'extrême du Cameroun et à l'Est, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller aux élections dans un tel contexte? Écoutez, c'est que le gouvernement camerounais a la responsabilité du maintien de l'ordre et de la paix. Et donc, ils ont l'obligation de ramener la paix dans ces gens, dans ces zones-là. Ils devraient se rendre compte qu'au bout de 2 ans, les écoles n'ont pas réouvertes, qu'au bout de 2 ans, les villes mortes sont toujours présentes, qu'au bout de 2 ans, l'insécurité ne fait que grandir. Au bout de 2 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup de points, beaucoup de responsables administratifs qui désertent là, c'est-à-dire que l'État est quasiment absent dans la plupart des coins un peu reculés du nord-ouest et du sud-ouest. Donc on devrait pouvoir faire un constat dans la plupart des coins un peu reculés du nord-ouest et du sud-ouest. Donc on devrait pouvoir faire un constat et de dire qu'au fait, l'approche armée n'était pas la bonne, c'était une stupidité. Allons-y, essayons de parler avec ces gens, écoutons-le, qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis voilà, le dialogue ne veut pas dire qu'on concède, loin de là. Est-ce qu'il faut un dialogue avant les élections ou vous estimez qu'on peut aller aux élections dans ce contexte? Écoutez, aujourd'hui, je pense que la situation est telle qu'il faut... Ce n'est pas les élections le plus important. Vous savez, M. Noufélé, il y a la moitié du Sud-Ouest aujourd'hui qui vit dans une situation de quasi-famine parce que les gens n'arrivent pas à aller au champ. Vous savez, aujourd'hui, dans une grande partie du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, quand vous êtes un homme âgé de 15, 16 à 40 ans, vous devez vous cacher parce que dès qu'on vous voit errant, on suppose que vous avez quelque chose à cacher. Malheureusement, il n'y a pas de travail. Donc les Camerounais sont en majorité errants parce que le gouvernement n'a pas pu procurer du travail aux gens. Et généralement aussi, il faut le reconnaître, quand des gens vont de la ville vers le village, c'est qu'ils ont eu des problèmes en ville. Et puis voilà, au village, ils ne viennent pas nécessairement pour ouvrir une entreprise, etc. Donc ces gens sont en danger aujourd'hui. Je connais plein de personnes qui sont cachées en forêt, qui n'arrivent pas à aller vers les champs, qui n'arrivent même pas à trouver de l'eau potable, etc. Et donc, on est dans une situation de crise humanitaire. En plus de ça, vous avez presque 45 000 réfugiés camerounais dans des camps de misère de l'autre côté de la frontière. Et depuis que le SDF et son président national ont proposé d'apporter une aide humanitaire à tous ces Camerounais qui souffrent atrocement de l'autre côté de la frontière, on nous bloque le chemin pour y aller. Parce qui bloque le chemin au SDF pour se rendre? Écoutez, jusqu'à présent, on ne réussit pas à organiser le convoi qui devrait amener tout ce qui a été cotisé par les sympathisants et les militants et les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté qu'on a. On a à peu près 2-3 temps et les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté qu'on a. On a à peu près 2-3 camions de biens et on n'arrive pas à trouver un moyen pour traverser la frontière, pour aller donner ça. Quelles sont les raisons qui sont évoquées pour justifier cette barrière? Écoutez, on n'a eu aucune raison. On sait qu'on ne reçoit pas de réponse du Haut Commissariat du Nigeria, on ne reçoit pas de réponse des autorités camerounaises et on essaye d'étouffer l'affaire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une image publique de la souffrance de tous ces Camerounais de l'autre côté. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'aide alimentaire qu'on apporte. Ce qui est important, c'est de comprendre que 43 000 Camerounais sont en train de dormir sous des bâches, en train de dormir sous des arbres, sous la pluie, dans la poussière au Nigeria, sont maltraités pour certains, sont arrivés là-bas les mains vides, donc n'ont rien à manger, certains sont exploités, etc. Et ce sont des Camerounais. Il y a dans tous ces gens-là, probablement, très probablement, même peut-être un des prochains présidents camerounais, un des prochains Samuel Eto'o camerounais. Donc il faut trouver une solution. Il faut arrêter de croire qu'on est dans une situation où il y a les Camerounais et eux. Si nous sommes tous Camerounais, ayons le courage de se regarder en face et de discuter. Justement, vous avez eu le courage de vous engager dans la course à la présidentielle 2018, candidat investi par le SDF. Comment la classe politique réagit à ces secousses sismiques envoyées par le SDF qui ont tremblé et qui ont fait trembler Yaoundé
des acteurs politiques s'expriment sur le choix porté, ce jeu choix aussi pour être le porte-étendard du SDF à l'élection présidentielle 2018. C'est dans ce reportage de Kate Diarra. L'investiture de Joshua aussi, le week-end dernier comme candidat pour le Social Démocratique Front à la présidentielle 2018, a créé une vague d'intérêt au sein des autres partis politiques camerounais. Pour Dieudonné Yebga, président du Manidem, cette action ouvre la page d'un politique camerounais. Pour Dieudonné Yebga, président du Manidem, cette action ouvre la page d'un Cameroun nouveau. L'élection de Joshua aussi, qui est un jeune, est un message fort pour tout le Cameroun, aussi pour le parti au pouvoir, de mettre un jeune à la conquête de la magistrature suprême. Pour Armand Manga, militant au sein du Rassemblement démocratique et du peuple camerounais, la réponse à cette pique politique est claire. On ne peut pas changer une équipe qui gagne. Depuis pratiquement 35 ans, le président Biya ne nous a pas déçus au niveau du parti. Donc il est tout à fait normal que nous réinvestissions notre confiance en la personne de Paul Biya, parce que ce que nous lui demandons de faire, il le fait bien, pourquoi le changer? Mais au-delà des conflits idéologiques, il reconnaît que Joshua aussi a le profil de l'emploi au vu de son parcours politique. N'oublions pas qu'il est député à l'Assemblée nationale, n'oublions pas qu'il est vice-président de son parti, et n'oublions pas que c'est l'un des jeunes qui essaie de mouiller le maillot. C'est tout à fait normal que Joshua aussi se retrouve aujourd'hui investi par son parti. Poussons l'analyse plus loin, il voit en ce changement le désir que le Social Democratic Front a de rompre avec une stratégie qui jusqu'ici n'a pas été payante. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'un parti qui a suivi, qui a subi au niveau de la présidentielle plus de 5 échecs, soit obligé de changer de personnel. Quand ça ne va pas, on essaie toujours d'apporter du sang neuf, et je crois que le RDF l'a finalement compris. Surfant sur une vague quasi similaire, Dieudonné Yebga trouve que Joshua aussi porte en lui toutes les qualités d'un bon candidat, mais des qualités qui pourraient être noyées par l'idéologie et l'arrogance de son propre parti politique. Si Joshua aussi était dans un... Noyé par l'idéologie et l'arrogance de son propre parti politique. Si Joshua aussi était dans un autre parti avec ce qu'on sait de lui, nous pensions qu'il pouvait faire l'affaire, mais le fait qu'il soit le candidat du SDF avec la politique du SDF qui voudrait que tout le monde s'aligne derrière eux, moi c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. En plus de ces deux figures politiques, on a également eu la réaction de Serge Espoir Matomba, qui sur sa page officielle salue la clairvoyance du chairman qui a compris selon lui la nécessité de passer le témoin. Il y a surtout Ukabra Libi qui à son tour parle d'un chairman clairvoyant qui a symboliquement sonné le glas de la perpétuité. L'option du SDF de présenter un candidat autre que Ni John Fondi à l'élection présidentielle positionne ce parti en peloton de tête des partis qui contribuent à l'émulation démocratique au Cameroun. C'est en tout cas l'analyse que signe Guizogo. Le SDF a donc son congrès derrière lui et par ricochet la sérénité pour envisager l'avenir. Lui qui a aussi soldé la question de son candidat à l'élection présidentielle en désignant pour ce challenge Joshua aussi. Avec ce choix, c'est un tournant majeur que le SDF opère dans le landerneau politique camerounais depuis 1990, comme dans un sprint final d'une course cycliste où parfois le départ fulgurant d'un coureur surprend et anesthésie ses adversaires, le SDF prend de court ses protagonistes sur la scène politique nationale. Dans les annales de l'histoire politique au Cameroun, il faudra bien noter qu'il aura été le premier parti politique où, après le retour au multipartisme, le leader incontesté, Ni John Fondi, aura cédé la place de candidat à l'élection présidentielle à une autre figure de ce parti, en l'occurrence, Joshua aussi. Ailleurs, sur la scène politique nationale, la comparaison est loin de tenir la route. Au RDPC, c'est par une la scène politique nationale, la comparaison est loin de tenir la route. Au RDPC, c'est par une pirouette que le bureau politique, ressuscité après une longue léthargie, a renouvelé le mandat de son président national, Paul Biya, tout en faisant de lui le candidat de facto de ce parti à la présidentielle de cette année.
Le congrès de ce parti, qui aurait pu donner lieu à quelques velléités présidentielles, est visiblement renvoyé au calendrier grec et il ne reste aux ambitieux qu'à ronger leurs freins, si ce n'est à avaler des couleuvres. Il n'y a pas mieux dans l'opposition non plus, où, à l'exception de Maurice Kamto, qui devra concourir à la présidentielle pour la première fois, d'Adamou Ndamdjoya à Bello Bouba Maïgari, en passant par Jean-Jacques Ekindi et Anissa Ekane, on rempile indéfiniment depuis 1990. Il ne reste qu'à espérer que d'autres emboîtent le pas au SDF, qui pour l'instant a encore marqué un de ces points qui contribue sans doute à consolider la démocratie au Cameroun. Et sur ce plateau avec nous, le candidat investi par le SDF, l'honorable Joshua aussi. Comment vous avez vécu ce moment lors des primaires qui se sont déroulées à Bamenda avec cette écrasante victoire face à votre adversaire, près de 88% des suffrages exprimés en votre faveur et l'ancien du SDF pour être le porte-étendard à la prochaine élection présidentielle? J'aimerais commencer par dire que c'est tout à fait naturel qu'on soit traversé par une émotion forte en ces moments-là. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour, avec humilité et respect, saluer tous les délégués du parti présents lors de ce congrès qui ont fait leur choix, qui ont fait le choix de Joshua aussi lors de ce congrès, non seulement comme premier vice-président du parti, mais aussi comme le porte étendard, non seulement comme premier vice-président du parti, mais aussi comme le porte étendard de ce parti lors des prochaines élections présidentielles prévues en octobre 2018. J'aimerais aussi ici rendre hommage, je dirais, à la grandeur politique de Nijon Frundi, le président national du parti, qui a permis la tenue de ce grand congrès. Et j'aimerais aussi ici saluer la grandeur de mes adversaires lors de ces primaires, l'honorable Bandam, vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'est retiré de la course, et l'honorable Fobi, qui est resté jusqu'au bout. Ce sont des piliers essentiels du parti. Sans eux, on n'arrivera pas à la victoire en 2018, dont j'aimerais ici aussi saluer le fait qu'ils ont participé à cette primaire et qu'ils ont donné tout cet éclat, cette primaire. Justement, une fois investi, vous estimez que le régime de Yaoundé doit trembler, alors qu'à la dernière élection présidentielle, le candidat SDF avait obtenu officiellement moins de 15% des suffrages exprimés. Alors, la dernière élection présidentielle, il faut vous remettre dans le contexte, monsieur Noufélé. Il faut comprendre que en 2011, on avait un bras de fer avec le gouvernement Yaoundé qui refusait de mettre sur pied les institutions que nous réclamions. On a commencé un combat au sortir de l'élection de 2007 avec 35 autres partis politiques, dont les plus grands, où on avait pris une position qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun tant que les dispositions du processus électoral ne changeront pas. Et à la veille, quand je dis à la veille, j'exagère, à 6-9 mois de l'élection de 2011, les uns et les autres ont changé de position parce que tout le monde voulait être candidat et personne ne voulait. Les uns et les autres ont changé de position parce que tout le monde voulait être candidat et personne ne voulait qu'on essaye d'améliorer le processus. Donc le SDF est allé à cette élection en 2011 dans une situation très difficile, dans un contexte compliqué. Et on est arrivé, on a annoncé notre participation à l'élection, je crois, 3 ou 4 semaines avant le délai prescrit par la loi. Et donc nous avions que 5-6 semaines pour faire campagne. Et je trouve que le président Nijon Frundi a eu un score exceptionnel. Au vu des conditions, il ne faut pas oublier, c'est l'ancien fichier électoral. Il ne faut pas oublier qu'en allant à la dernière minute aux élections contre des gens qui étaient déjà en campagne plus de 8-9 mois en avance, on a fait, il y a, je crois que la totalité des autres candidats de l'opposition, la vraie opposition, n'a pas atteint le score de ce que M. Nijon Frundi a pu faire. Alors, donc il faut relativiser justement, les choses. Justement, 7 ans plus tard, est-ce que le processus électoral peut garantir justement une victoire de l'opposition
Il y a la société civile qui s'interroge. Il y a un code électoral qui a toujours été critiqué par le SDF. Comment vous allez aux élections avec un code électoral? Ce n'est pas le processus électoral qui garantit la victoire de l'opposition, mais c'est l'organisation de cette opposition-là. Au niveau du SDF, depuis plusieurs années, nous faisons ce que nous devons faire pour arriver à la victoire. Et nous sommes prêts à travailler avec d'autres partis politiques, d'autres associations, d'autres organisations pour arriver à cette victoire-là. Mais il ne faut pas croire qu'on aura un code électoral parfait pour y arriver. Je dois juste dire ici que le code électoral est en progression par rapport à ce qu'on avait en 2011, où c'était un registre électoral où les gens remplissaient les noms dans les cahiers, étaient retranscrits par les préfets et tout ça sur des listes qui étaient publiées. En clair, les conditions sont réunies pour que l'opposition puisse gagner les élections. Les conditions ne sont pas réunies pour que l'opposition puisse gagner les élections. Les conditions ne sont pas réunies pour que l'opposition puisse gagner. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les conditions sont acceptables et avec ces conditions-là, si l'opposition se focalise sur ce qu'elle doit faire, si elle s'organise correctement, elle peut gagner. Ce n'est pas le code électoral qui fait gagner l'opposition, mais c'est la pertinence de cette opposition-là. C'est son organisation et son dynamisme sur le terrain. Justement, qui arrive à porter. Vous parlez de l'organisation de l'opposition, mais le journal Repair ce matin vous présente comme le candidat de la désunion. Selon ce journal Repair, vos positions divisent plus qu'elles ne rassemblent. Que pensez-vous de ces critiques? Écoutez, je suis le porte-étendard d'un parti politique. Et donc, s'il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas d'accord, je ne suis que le porte-étendard. Si je suis le candidat, c'est, vous allez me dire, l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et le peuple. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne vais pas trahir ma famille politique parce que je veux faire plaisir à d'autres partis politiques. J'ai d'abord une famille que je dois respecter. Nous avons un manifeste, nous avons un programme économique et social, nous avons un comité exécutif national qui se réunit constamment pour émettre des positions politiques et ce sont ces positions-là qui sont prises par le candidat et qui sont mises dans le contexte actuel, c'est-à-dire de la campagne. Le candidat peut mettre un peu sa touche à lui dans toutes ces propositions-là, mais il y a une certaine discipline du parti qu'il faut respecter. En clair, vous ignorez les critiques qui sont formulées à votre encontre? Mais écoutez, je pense que cette critique-là, que je sois le candidat de la désunion, je ne pense pas qu'il y avait un candidat qui a fait campagne. Des trois candidats qui ont fait les primaires, qui ont battu campagne au SDF, il n'y a aucun candidat qui avait dans son programme ou dans sa proposition d'unifier l'opposition. Donc il faut un candidat qui avait dans son programme ou dans sa proposition d'unifier l'opposition. Donc il ne faut pas dire que l'un des trois était celui de la désunion. Mais non, si c'est le parti du SDF qui est accusé par ce journal-là, j'ai bien peur que Richard Tounet est en train de se retourner dans sa tombe parce que ce n'est pas du tout notre position. Nos portes sont ouvertes. Nous sommes prêts à accueillir, nous sommes prêts à aller parler avec tous les partis politiques qui pensent que 2018 doit être l'année du changement. On n'a jamais fermé nos portes. Le simple fait que nous disons, et nous le réitérons à chaque fois, que discuter avec un autre parti politique, avec d'autres candidats, avec d'autres forces en présence, ce n'est pas pour diluer la force déjà du SDF, mais plutôt pour consolider. Est-ce qu'il y a des candidats que vous serez prêts à rencontrer dès demain, des candidats déjà déclarés pour cette élection présidentielle? Est-ce qu'il y a des personnalités? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et même avant les primaires, il n'y a pratiquement aucun candidat déclaré que je n'ai pas rencontré. Donc ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de jouer à cache-cache, nous nous parlons, nous nous rencontrons, nous échangeons, nous savons où nous sommes, les positions des uns et des autres, et il y a un dialogue constant entre nous. Maintenant, est-ce qu'on a négocié des plateformes communes? C'est à mon niveau, c'est au parti politique de prendre cette décision-là, c'est-à-dire que je peux venir au comité exécutif national présenter une situation et dire le candidat X, Y, Z est venu vers moi et veut faire, veut qu'on fasse chemin ensemble et voilà les conditions qu'il pose. Ça sera une décision politique qui est prise par le comité exécutif national en dehors d'un congrès. Maintenant, il n'y a absolument aucun problème entre moi, le candidat, et les autres
candidat, c'est-à-dire d'un point de vue cordialité, d'un point de vue... Mais est-ce que les idéologies politiques qui sont développées par les uns et les autres peuvent justement créer... cette attraction entre vous et ceux qui se sont déjà déclarés à cette candidat à cette élection présidentielle. Mais je pense que s'ils ne sont pas les candidats du SDF, c'est qu'il y a forcément des différences idéologiques entre nous. Parce que si on avait la même idéologie, ils seraient tous candidats à la candidature du SDF et ils seraient membres de ce parti. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Maintenant, si l'objectif, si un candidat peut nous apporter ce qu'il faut pour gagner en 2018, il est évident, nous sommes en politique, il est évident qu'il faudra faire des concessions. Ces concessions seront négociées par le comité exécutif national du parti et seront décidées à ce niveau-là. Mais le candidat ne peut que présenter les opportunités, peut-être même négocier et ensuite défendre ces opportunités-là devant le parti pour justement, aller l'avant. Honorable Joshua aussi, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et vous avez suivi ces folles rumeurs sur vos origines, sur votre nationalité camerounaise. Un hebdomadaire panafricain en a d'ailleurs parlé comme l'un des arguments qui pouvait vous être opposé durant ces primaires. Et les Camerounais s'interrogent sur les origines et la nationalité de Joshua. Est-ce que vous pouvez nous édifier à ce sujet? Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Vous savez, si on veut barrer la voie au changement, à la transition démocratique qui s'annonce, parce qu'on n'a pas le choix. En 2018, on aura soit une transition politique ou alors elle sera violente. Donc il faut s'accommoder du fait que la transition politique est en route et il y a des gens qui se battent corps et âme contre cette transition. Maintenant, si les gens veulent se battre contre cette transition politique, qu'ils viennent me trouver sur le terrain politique, qu'ils ne me cherchent pas en dessous de la ceinture. Ce journal panafricain, écoutez, je ne suis pas entré ici avec une carte de séjour pour commencer. Et ce journal panafricain voulait discréditer le candidat à la candidature. J'ose croire qu'ils avaient peut-être des vues sur un autre candidat. La réponse des délégués a été exemplaire. La réponse des délégués était exemplaire pour ce journal-là. Et mais donc, il y a des conditions pour j'attendais, être candidat à l'élection présidentielle. J'attendais de ce journal. Justement, si Monsieur Noufélé, j'attendais de ce journal qui s'excuse, y compris tous ceux qui ont dit que parce que je suis candidat, je serai exclu du parti, etc. Maintenant, pour revenir sur les conditions, Monsieur Noufélé, je crois que vous m'avez appelé honorable parce que je suis député de la République. J'ai été conseiller municipal. J'ai été à plusieurs élections. Je sais monter un dossier. Je sais qu'il faut un certificat de nationalité et je ne serai pas sur votre plateau si j'en avais pas un. Donc je crois qu'il faut taire des polémiques inutiles. On ne va pas commencer à essayer de trouver des excuses pour arrêter une certaine dynamique. Je vous ai dit, Monsieur Noufélé, vous y compris, si vous voulez, vous mettre à travers du chemin de cette dynamique que le SDF a lancée ce week-end, venez nous trouver sur le champ de la politique. N'essayez pas de créer des polémiques qui n'apportent absolument rien. Vous ne pouvez pas être député de la nation si vous n'êtes pas Camerounais. Vous ne pouvez pas être conseiller municipal si vous n'êtes pas Camerounais. Vous ne pouvez pas être électeur si vous n'êtes pas Camerounais. Donc il faut absolument, les Camerounais ont envie de savoir. Vous savez, Monsieur Noufélé, les Camerounais, ils attendent des quelques 15 minutes que vous me donnez sur cette antenne de savoir quels seront les lendemains d'octobre. Ils ont envie de savoir quand est-ce qu'on pourra arrêter leur souffrance. Ils ont envie de savoir quel type de président je serai. Ils n'ont pas envie d'entrer dans des polémiques qui ont été levées pour me barrer la voie lors des primaires. Et j'aimerais juste dire à tous ceux à tous ceux qui ont essayé de me barrer la voie pour les primaires, ils ont vu la réponse des délégués à ce congrès. C'était une réponse exemplaire et je pense que s'ils continuent sur ce chemin, au lieu de venir sur le chemin de la politique, en octobre, ça sera la même réponse que les Camerounais leur donneront. Merci, honorable Joshua aussi. Je précise que vous êtes député et vous serez justement au Parlement lors de cette réunion du Parlement
pour assister à l'investiture du Conseil constitutionnel. Un mot sur cette instance qui va jouer un rôle clé dans l'élection à laquelle vous allez participer. Est-ce qu'elle pourrait, au regard de sa composition, est-ce qu'elle répond à vos attentes? Alors, Monsieur Nofollet, déjà, premièrement, j'aimerais dire que ce n'est pas une réunion à laquelle je vais assister. C'est le Parlement qui se réunit en congrès. C'est le Parlement qui se réunit en congrès, donc c'est autre chose, parce que le congrès du Parlement est souverain. C'est un acte fort, c'est la première fois. Je me réjouis d'être de cette législature qui va vivre ça pour la première fois depuis 1960 dans notre pays. Maintenant, si vous me demandez le Conseil constitutionnel, la raison pour laquelle le SDF était allé aux élections sénatoriales, c'est que l'excuse que M. Biya nous donnait pour ne pas mettre en place le Conseil constitutionnel, c'est que le Sénat n'était pas en place. Et donc, vous voyez qu'on se réjouit que ce Conseil constitutionnel soit mis en place. Maintenant, on ne peut pas critiquer un Conseil constitutionnel qui n'a même pas encore prêté serment. Laissons-les arriver, on va voir, on va les juger au pied du mur. La différence entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, c'est qu'une fois qu'ils sont installés, à partir du 6 mars, quand ils seront installés, ils n'auront plus de compte à rendre à M. Biya. Et c'est ce qui est extraordinaire avec cette institution-là. Et je ne pense pas que même quelqu'un qui manque de personnalité, pour le dire ainsi, ne prendra pas l'opportunité que lui offre la Constitution d'être au-dessus du président de la République. Ces 11 sages sont au-dessus du président de la République, il faut le comprendre. Et donc, on va voir comment ils vont agir au fur et à mesure. C'est clair que peut-être au début, il y aura des balbutiements, il y aura des incompréhensions, mais au fur et à mesure du temps, ce Conseil constitutionnel, ce n'est pas pour l'élection de 2018 uniquement. C'est pour la postérité, c'est pour les cent années à venir qu'on a mis cette institution en place. On peut peut-être avoir un mauvais casting avec la première équipe, mais au moins on a déjà l'institution et ensuite on peut améliorer ce casting et c'est pour nos enfants qu'on le fait. Merci honorable député Joshua Ossi, candidat SDF à l'élection présidentielle. Mesdames, messieurs des publics, reportage avant la fin de ce journal. Les étudiants de l'école des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal, délocalisés à l'Institut supérieur de management et de l'entrepreneuriat de Douala, viennent de recevoir le parchemin après 2 années de formation. Des précisions dans ce reportage. Ils sont au total 14 étudiants diplômés du programme exécutif MBA de l'UQAM, délocalisé à l'Institut supérieur de management et de l'entrepreneuriat de Douala. Ces lauréats de la deuxième cohorte, dont les efforts sont ici récompensés, sont loin d'oublier les souvenirs de ces 2 années de dur labeur au sein de cet institut. Et donc ce dimanche-là, ma dernière, cette princesse, elle m'a regardé, elle m'a posé la même question. Où est-ce que tu vas, papa? Je dis, je vais à l'école. Ceux qui respectent son père et qui se disent un délire, apprend que son père va aussi à l'école. Il va être surpris plus tard quand vous allez lui parler sur un ton pas chez nous. Elle va me dire, il va être chahi chez ta mère. Il va être surpris plus tard quand vous allez lui parler sur un ton pas chez nous. Elle va me dire, il va être chahi chez ta mère. L'Institut supérieur de management et de l'entrepreneuriat IME, par la voix de son directeur, salue l'endurance et l'abnégation au travail de ses lauréats, désormais diplômés d'une des meilleures universités nord-américaines. C'était une équipe exceptionnelle, c'était constitué des dames et des hommes volontaires, dynamiques et ont bien compris le sens du travail d'équipe, qui ont bien assimilé et intégré les notions de management qu'on leur a transmises et je compte vraiment sur eux pour pouvoir faire avancer l'économie camerounaise. L'IME, dans sa volonté de former des managers camerounais capables de développer son économie et propulser ses entreprises, a mis sur pied ce programme de formation en partenariat avec le Canada. Le Cameroun a une excellente cohorte de nouveaux managers. Plusieurs l'ont mentionné pendant la cérémonie. L'Université du Québec à Montréal a une excellente école des sciences de la gestion. Et je pense que le partenariat avec l'IME ici au Cameroun est vraiment un échange très fructueux qui a permis de développer des compétences managériales de nombreux Camerounais. C'est la deuxième cohorte. J'espère qu'il y en aura plusieurs autres qui vont suivre.
La cérémonie de remise de parchemin à laquelle prennent part le représentant du gouverneur, le président du JICAM, le haut commissaire du Canada et autres personnalités de marque était l'occasion pour les participants de découvrir les mentions honorifiques. Je suis très fière. Ce IMBA que nous avons eu aujourd'hui matérialise en fait notre capacité à comprendre l'entreprise, à comprendre la société et à améliorer les performances même, nos performances au sein de notre entreprise pour que le Cameroun soit meilleur. Je suis contente, ravie d'avoir fait ce programme. Comme vous l'avez entendu, c'est un programme qui a duré 2 ans, ce n'était pas facile. On a eu beaucoup de cours sur les affaires, les stratégies des affaires. Et voilà, mon nouveau titre maintenant, c'est stratégie sur les affaires, les stratégies des affaires. Et voilà, mon nouveau titre maintenant, c'est stratégie in management. Le programme exécutif MBA de l'ESG UCAM, qui dure 24 mois, c'est des modules sur le gestionnaire et l'entreprise, la gestion commerciale et financière, la gestion de la production des biens et services, le management stratégique et les activités de synthèse. Situé à Douala, au campus de Bonamoussadi, à 50 mètres de la mairie de Douala 5e et à Akwa Bonadibon, non loin du carrefour ancien d'Alip, IME is the place to be. La société anonyme des brasseries du Cameroun célèbre l'excellence de ses travailleurs. C'était au cours d'une cérémonie riche en sang et en couleurs. Reportage. Le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun a récemment célébré sa traditionnelle fête du personnel tout en musique avec des artistes de renom invités. Une fête célébrée aussi bien à Limbé, à Bafoussam, à Banga qu'à Garoua, Yaoundé et Douala, qui a connu le 3 février l'épilogue des manifestations. Cette année, cette fête du personnel et Douala, qui a connu le 3 février l'épilogue des manifestations. Cette année, cette fête du personnel qui a enregistré la présence de personnalités de premier rang aura eu un goût assez particulier au vu du contexte marqué par la célébration des 70 années de présence du groupe SABC au Cameroun avec à la clé la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire. Années de vie, 70 années de défis, mais aussi 70 années de succès matérialisés par une position incontestée de leader sur le secteur brassicole camerounais. Un succès porté depuis l'origine par des valeurs fortes de qualité, de sécurité, de performance et d'excellence qui représentent l'essence même du groupe SABC. Je suis bien conscient cependant que si nous avons remporté des victoires importantes, nous n'avons pas encore gagné la guerre, mes chers amis. Car il nous faut remporter des batailles cruciales et symboliques, notamment sur l'eau et la bière, sans pour autant brader nos prix, nos produits et leurs images. C'est un engagement en 2018 que je prends fermement devant vous, car après avoir posé les fondamentaux de notre activité et de notre organisation en 2017, j'ai fait de notre reconquête commerciale et du maintien de notre leadership une priorité absolue en 2018. En rappelant que je ne suis que l'entraîneur et que c'est vous qui gagnez les matchs sur le terrain. De manière générale, à travers la célébration de cet anniversaire, le groupe SABC réitère à ses consommateurs que depuis 70 ans, chacun de ses produits est un engagement au développement du Cameroun.
Aussi, le groupe SABC entend faire de 2018 non seulement une année anniversaire, mais aussi une année décisive. Au cours de laquelle le groupe va entamer une nouvelle dynamique de reconquête. Nous avons célébré nos 70 ans, une extrême longévité. Nous avons eu droit également à beaucoup de talents en termes de chansons. Et je crois qu'aujourd'hui c'est le partage, c'est la fête. Et nous nous projetons avec le lancement de l'intranet, la digitalisation, la simplification dans le 21e siècle. Et je souhaite à tout le monde de s'épanouir au sein du groupe SABC et d'avoir une très belle carrière. Bonne année à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne soirée sur cette même antenne. Je suis aussi pour être le porte-étendard du SDF à l'élection présidentielle 2018. C'est dans ce reportage de Kate Diarra. L'investiture de Joshua aussi, le week-end dernier comme candidat pour le Social Democratic Front à la présidentielle 2018, a créé une vague d'intérêt au sein des autres partis politiques camerounais. Pour Dieudonné Yebga, président du Manidem, cette action ouvre la page d'un politique camerounais. Cameroun nouveau. L'élection de Joshua aussi, qui est un jeune, est un message fort pour tout le Cameroun, aussi pour le parti au pouvoir, de mettre un jeune à la conquête de la magistrature suprême. Pour Armand Manga, militant au sein du Rassemblement démocratique et du peuple camerounais, la réponse à cette pique politique est claire. On ne peut pas changer une équipe qui gagne. Depuis pratiquement 35 ans, le président Biya ne nous a pas déçus au niveau du parti. Donc il est tout à fait normal que nous réinvestissions notre confiance en la personne de Paul Biya, parce que le travail, ce que nous lui demandons de faire, il le fait bien, pourquoi le changer? Mais au-delà des conflits idéologiques, il reconnaît que Joshua aussi a le profil de l'emploi au vu de son parcours politique. N'oublions pas qu'il est député à l'Assemblée nationale, n'oublions pas qu'il est vice-président de son parti, et n'oublions pas que c'est l'un des jeunes qui essaie de mouiller le maillot. C'est tout à fait normal que Joshua aussi se retrouve aujourd'hui investi par son parti. Poussons l'analyse plus loin, il voit en ce changement le désir que le Social Democratic Front a de rompre avec une stratégie qui jusqu'ici n'a pas été payante. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'un parti qui a subi au niveau de la présidentielle plus de 5 échecs, soit obligé de changer de personnel quand ça ne va pas. On essaie toujours d'apporter du sang neuf et je crois que le RDF l'a finalement compris. Surfant sur une vague quasi similaire, Dieudonné Yebga trouve que Joshua aussi porte en lui toutes les qualités d'un bon candidat, mais des qualités qui pourraient être noyées par l'idéologie et l'arrogance de son propre parti politique. Si Joshua aussi était dans un... Noyé par l'idéologie et l'arrogance de son propre parti politique. Si Joshua aussi était dans un autre parti avec ce qu'on sait de lui, nous pensions qu'il pouvait faire l'affaire, mais le fait qu'il soit le candidat du SDF avec la politique du SDF qui voudrait que tout le monde s'aligne derrière eux, moi c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. En plus de ces deux figures politiques, on a également eu la réaction de Serge Espoir Matomba, qui sur sa page officielle salue la clairvoyance du chairman, qui a compris selon lui la nécessité de passer le témoin. Il y a surtout Ukabra Libi qui à son tour parle d'un chairman clairvoyant qui a symboliquement sonné le glas de la perpétuité. L'option du SDF de présenter un candidat autre que Ni John Fondi à l'élection présidentielle positionne ce parti en peloton de tête des partis qui contribuent à l'émulation démocratique au Cameroun, c'est en tout cas l'analyse que signe Gizogo.
Le SDF a donc son congrès derrière lui et par ricochet la sérénité pour envisager l'avenir, lui qui a aussi soldé la question de son candidat à l'élection présidentielle en désignant pour ce challenge Joshua aussi. Avec ce choix, c'est un tournant majeur que le SDF opère dans le landerneau politique camerounais depuis 1990, comme dans un sprint final d'une course cycliste où parfois le départ fulgurant d'un coureur surprend et anesthésie ses adversaires, le SDF prend de court ses protagonistes sur la scène politique nationale. Dans les annales de l'histoire politique au Cameroun, il faudra bien noter qu'il aura été le premier parti politique où, après le retour au multipartisme, le leader incontesté, Nedjon Frundi, aura cédé la place de candidat à l'élection présidentielle à une autre figure de ce parti, en l'occurrence Joshua Ossi. Ailleurs, sur la scène politique nationale, la comparaison est loin de tenir la route. Au RDPC, c'est par une la scène politique nationale, la comparaison est loin de tenir la route. Au RDPC, c'est par une pirouette que le bureau politique, ressuscité après une longue léthargie, a renouvelé le mandat de son président national, Paul Biya, tout en faisant de lui le candidat de facto de ce parti à la présidentielle de cette année. Le congrès de ce parti, qui aurait pu donner lieu à quelques velléités présidentielles, est visiblement renvoyé au calendrier grec et il ne reste aux ambitieux qu'à ronger leurs freins, si ce n'est à avaler des couleuvres. Il n'y a pas mieux dans l'opposition non plus, où, à l'exception de Maurice Kamto, qui devra concourir à la présidentielle pour la première fois, d'Adamou Ndamdjoya à Bello Bouba Maïgari, en passant par Jean-Jacques Ekindi et Anissa Ekane, on rempile indéfiniment depuis 1990. Il ne reste qu'à espérer que d'autres emboîtent le pas au SDF, qui pour l'instant a encore marqué un de ces points qui contribue sans doute à consolider la démocratie au Cameroun. Et sur ce plateau avec nous, le candidat investi par le SDF, l'honorable Joshua Ossi. Comment vous avez vécu ce moment lors des primaires qui se sont déroulées à Bamenda avec cette écrasante victoire face à votre adversaire, près de 88% des suffrages exprimés en votre faveur et l'ancien du SDF pour être le porte-étendard à la prochaine élection présidentielle? J'aimerais commencer par dire que c'est tout à fait naturel qu'on soit traversé par une émotion forte en ces moments-là. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour, avec humilité et respect, saluer tous les délégués du parti présents lors de ce congrès qui ont fait leur choix, qui ont fait le choix de Joshua aussi lors de ce congrès, non seulement comme premier vice-président du parti, mais aussi comme le porte étendard, non seulement comme premier vice-président du parti, mais aussi comme le porte étendard de ce parti lors des prochaines élections présidentielles prévues en octobre 2018. J'aimerais aussi ici rendre hommage, je dirais, à la grandeur politique de Nedjon Frundi, le président national du parti, qui a permis la tenue de ce grand congrès. Et j'aimerais aussi ici saluer la grandeur de mes adversaires lors de ces primaires, l'honorable Mbandam, vice-président de l'Assemblée nationale. Créer les foyers de tension qui se multiplient dans cette localité. Cette escalade de violence et cette mutation dans la stratégie des ravisseurs seraient liées à l'arrestation des leaders du mouvement séparatiste anglophone. C'est que le mouvement séparatiste essaye en tout cas aujourd'hui de trouver des moyens de pression pour exiger la libération de leur leader Sissi Kouyaouk Tabi et ses acolytes. Donc ils peuvent effectivement à travers ces enlèvements constituer des monnaies de rechange qu'ils utiliseront dans le cadre des négociations pour la libération de leur leader. Au-delà des actions militaires, ce chercheur en sciences politiques rejoint l'opinion dans l'idée d'ouvrir en urgence un dialogue avec toutes les parties prenantes afin d'apaiser les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones. Déjà, deux autorités administratives à Batibo enlevées en l'espace de deux semaines, honorable Joshua Ossi, ça commence à devenir très inquiétant pour le gouvernement camerounais dont ses représentants sont enlevés
alors que les populations s'attendaient à un renforcement des moyens sécuritaires après l'enlèvement du sous-préfet. Écoutez, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un président de la République qui déclare la guerre contre ses propres populations. Et j'en veux pas du tout aux forces de défense et de sécurité. Ils sont sous les ordres, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et d'ailleurs, très brillamment, la plupart du temps. Et on se retrouve dans une situation où on déclare la guerre à des gens qui sont dans une logique asymétrique et on n'apporte pas la protection aux autorités qui sont censées représenter l'État dans ces localités. Je trouve que c'est scandaleux qu'on arrive à enlever, que deux, trois personnes arrivent à enlever un sous-préfet un 11 février. Il n'y a aucune garde rapprochée, il n'y a pas de militaires autour, etc. Et c'est ça le véritable scandale. C'est-à-dire que si vous déclarez la guerre contre ce genre de groupe, il faut vous donner les moyens de mener cette guerre pour faire en sorte, parce que quand on accuse les populations et quand on revient avec des punitions collectives, c'est parce que les populations disent une chose très simple, c'est que vous, vous n'arrivez déjà pas à vous sécuriser vous-même. Alors comment pouvez-vous nous garantir notre sécurité dans cette situation-là? Et donc voilà le fond du problème. Le problème, c'est que on n'a pas, on se donne pas assez de moyens pour arriver jusqu'au bout des logiques qu'on engage. Et c'est pour cela que nous disons et nous sommes convaincus que ce n'est pas la bonne logique, qu'on ne peut pas prospérer avec cette logique-là et croire qu'on peut ramener la paix. Parce que la situation ne fait que s'empirer. Dans ce contexte d'insécurité dans les régions anglophones, à l'extrême du Cameroun et à l'Est, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller aux élections dans un tel contexte? Écoutez, c'est que le gouvernement camerounais a la responsabilité du maintien de l'ordre et de la paix. Et donc, ils ont l'obligation de ramener la paix dans ces gens, dans ces zones-là. Ils devraient se rendre compte qu'au bout de deux ans, les écoles n'ont pas réouvertes, qu'au bout de deux ans, les villes mortes sont toujours présentes, qu'au bout de deux ans, l'insécurité ne fait que grandir. Au bout de deux ans, aujourd'hui, il y a beaucoup de points, beaucoup de responsables administratifs qui désertent là, c'est-à-dire que l'État est quasiment absent dans la plupart des coins un peu reculés du nord-ouest et du sud-ouest. Donc on devrait pouvoir faire un constat dans la plupart des coins un peu reculés du nord-ouest et du sud-ouest. Donc on devrait pouvoir faire un constat et de dire qu'au fait, l'approche armée n'était pas la bonne, c'était une stupidité. Allons-y, essayons de parler avec ces gens, écoutons-le, qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis voilà, on n'est pas... Le dialogue ne veut pas dire qu'on concède, loin de Est-ce là. Est-ce qu'il faut un dialogue avant les élections ou vous estimez qu'on peut aller aux élections dans ce contexte? Écoutez, aujourd'hui, je pense que la situation est telle qu'il faut... Ce n'est pas les élections le plus important. Vous savez, M. Noufélé, il y a la moitié du Sud-Ouest aujourd'hui qui vit dans une situation de quasi-famine parce que les gens n'arrivent pas à aller au champ. Vous savez, aujourd'hui, dans une grande partie du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, quand vous êtes un homme âgé de 15, 16 à 40 ans, vous devez vous cacher parce que dès qu'on vous voit errant, on suppose que vous avez quelque chose à cacher. Malheureusement, il n'y a pas de travail. Donc les Camerounais sont en majorité errants parce que le gouvernement n'a pas pu procurer du travail aux gens. Et généralement aussi, il faut le reconnaître, quand des gens vont de la ville vers le village, c'est qu'ils ont eu des problèmes en ville. Et puis voilà, au village, ils ne viennent pas nécessairement pour ouvrir une entreprise, etc. Donc ces gens sont en danger aujourd'hui. Je connais plein de personnes qui sont cachées en forêt, qui n'arrivent pas à aller vers les champs, qui n'arrivent même pas à trouver de l'eau potable, etc. Et donc, on est dans une situation de crise humanitaire. En plus de ça, vous avez presque 45 000 réfugiés camerounais dans des camps de misère de l'autre côté de la frontière. Et depuis que le SDF et son président national ont proposé d'apporter une aide humanitaire à tous ces Camerounais qui souffrent atrocement de l'autre côté de la frontière, on nous bloque le chemin pour y aller. Parce qui bloque le chemin au SDF pour se rendre? Écoutez, jusqu'à présent, on ne réussit pas à organiser le convoi qui devrait amener tout ce qui a été cotisé par les sympathisants et les militants et les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté qu'on a. On a à peu près 2-3 temps et les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté qu'on a. On a à peu près 2-3 camions de biens et on n'arrive pas à trouver un moyen pour traverser la frontière, pour aller donner ça. Quelles sont les raisons qui sont évoquées pour
justifier cette barrière? Écoutez, on n'a eu aucune raison. On sait qu'on ne reçoit pas de réponse du Haut Commissariat du Nigeria, on ne reçoit pas de réponse des autorités camerounaises et on essaye d'étouffer l'affaire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une image publique de la souffrance de tous ces Camerounais de l'autre côté. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'aide alimentaire qu'on apporte. Ce qui est important, c'est de comprendre que 43 000 Camerounais sont en train de dormir sous des bâches, en train de dormir sous des arbres, sous la pluie, dans la poussière au Nigeria, sont maltraités pour certains, sont arrivés là-bas les mains vides, donc n'ont rien à manger, certains sont exploités, etc. Et ce sont des Camerounais. Il y a dans tous ces gens-là, probablement, très probablement, même peut-être un des prochains présidents camerounais, un des prochains Samuel Eto'o camerounais. Donc il faut trouver une solution. Il faut arrêter de croire qu'on est dans une situation où il y a les Camerounais et eux. Si nous sommes tous Camerounais, ayons le courage de se regarder en face et de discuter. Justement, vous avez eu le courage de vous engager dans la course à la présidentielle 2018, candidat investi par le SDF. Comment la classe politique réagit à ces secousses sismiques envoyées par le SDF qui ont tremblé et qui ont fait trembler Yaoundé? Des acteurs politiques s'expriment sur le choix porté. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement sous pression après la multiplication des enlèvements des autorités administratives sur le théâtre de la crise anglophone. Batibo est devenu au fil des ans le foyer des tensions sécuritaires et le symbole de la gravité de la crise anglophone. À suivre dans ce journal une immersion au cœur de ce foyer d'insécurité avec des reportages exclusifs, des témoignages troublants des populations et une armée en état d'alerte maximale dans le chaudron de la crise anglophone. Ce carnet de route de nos envoyés spéciaux sera commenté ce soir par le candidat SDF à l'élection présidentielle 2018, Joshua Osiyeh, l'invité politique du 20h. Son investiture a suscité une des secousses sismiques jusqu'à Yaoundé, et vous suivrez dans ce journal, il suscite espoir et critique à 8 mois de l'élection présidentielle. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans le chaudron de la crise anglophone, Batibo est désormais le principal foyer d'insécurité où se multiplient les enlèvements des autorités administratives. Après le sous-préfet, c'est le délégué régional des affaires sociales qui a été kidnappé et ces événements surviennent en l'espace de 2 semaines. Nos envoyés spéciaux, Eric Martial Ndiomo, Innocent Abega et Mimi Mefo, ont enquêté sur les traces de ces personnalités qui ont été enlevées sur le théâtre de la crise anglophone. Reportage. Nous nous trouvons en ce moment sur la véranda du domicile du sous-préfet enlevé de Batibo, le domicile qu'occupait Namata Marcel Diteng avant son enlèvement le 11 février dernier. Un domicile qui est donc scellé, fermé, un domicile de fonction quelque peu modeste. En tout cas, c'est le domicile de monsieur le sous-préfet. On constate aussi que le sous-préfet intérimaire affecté ici n'a pas occupé ici que le sous-préfet intérimaire affecté ici n'a pas occupé ce domicile qui reste sous le contrôle des forces de défense et de sécurité depuis l'enlèvement de monsieur le sous-préfet le 11 février dernier. À l'intérieur, on peut constater que tout pratiquement s'y retrouve. D'ici, on peut apercevoir les canapés, on peut apercevoir les rideaux qui avaient été installés par monsieur le sous-préfet. Et un tour du propriétaire peut aussi permettre de constater
constater qu'il n'y a pas grand-chose qui aura véritablement bougé depuis cet enlèvement de M. le sous-préfet. En tout cas, les forces de sécurité continuent à entretenir donc ce domicile depuis ce malheureux événement du 11 février dernier. On note aussi que c'est un lieu qui n'est pas forcément accessible au public depuis la survenance de ces événements ou de cet événement du 11 février dernier. Un lieu fortement gardé par les forces de sécurité et de défense. On peut aussi constater que malheureusement c'est une maison qui, en tout cas au niveau de ses ouvertures, au niveau de ses fenêtres, avait été fortement rafistolée. Le sous-préfet et sa famille qui vivaient donc dans cette maison, enlevée depuis et malheureusement introuvable depuis la survenance de ces événements. On a encore vu ce dimanche la descente de monsieur le préfet du département de la Momo qui est venu relancer ses troupes, renforcer ses troupes et surtout remotiver ses troupes afin que monsieur le sous-préfet Namata Marcel Diteng soit retrouvé. Nous nous trouvons ici à la façade arrière de ce domicile de monsieur le sous-préfet qui l'occupait avec sa famille jusqu'à cet enlèvement. On précise aussi que sa famille l'occupait avec sa famille jusqu'à cet enlèvement. On précise aussi que sa famille a quitté les lieux quelques jours après cet enlèvement sous forte escorte des forces de sécurité avec la cuisine qui était forcément un lieu qu'occupait la dame de M. Namata, l'arrière-cour avec un beau pâturage et surtout l'on nous fait savoir ici des moutons et quelques animaux qui profitent donc de ce pâturage. Voilà donc ce domicile de M. le préfet qui est devenu aussi pour beaucoup d'habitants de Batibo un lieu de pèlerinage puisque pour tous ceux qui arrivent à Batibo, il est question de voir où est ce domicile, où habitait monsieur le sous-préfet. Et il faut dire que ce n'est pas loin d'ici qu'il avait été enlevé à quelques mètres seulement de ce domicile que monsieur le sous-préfet avait été enlevé. Et vous constatez que même sur cette façade arrière, les portes restent bloquées, voilà, puisque il est question donc que ce lieu reste gardé. On peut constater que cette chambre, elle, est réservée aux forces de sécurité qui assurent justement la sécurité de ce lieu, puisque le portail lui est ouvert. On peut apercevoir donc un lit de fortune qui est aménagé, mais pour ce qui est de l'entrée principale ou des entrées principales, tout reste jusqu'ici fermé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce domicile. Restons à Batibo, foyer d'insécurité, symbole de la gravité de la crise anglophone, une ville fantôme. Depuis 2016, plusieurs établissements scolaires sont restés fermés, des salles de classe qui sont désertées par des élèves et sur les tableaux étaient fermés des salles de classe qui sont désertées par des élèves et sur les tableaux l'on peut voir qu'il n'y a pas eu de cours depuis 2016, une situation très difficile pour la communauté éducative. Les populations apeurées ont fui leurs terres. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux en plein cœur de ce foyer d'insécurité à Batibo, dans le chaudron de la crise anglophone. Son présidentiel, vous avez suivi ces témoignages des populations prises entre deux feux, celui des assaillants qui viennent de nulle part et les forces de sécurité qui doivent préserver l'intégrité du territoire. Comment vous réagissez? Écoutez, c'est une situation en même temps alarmante et triste parce qu'elle n'était pas nécessaire. Le gouvernement avait d'autres moyens que celle de déclarer la guerre contre ses propres citoyens. Malheureusement, les gouvernements avaient d'autres moyens que celle de déclarer la guerre contre ses propres citoyens. Malheureusement, les populations civiles se retrouvent entre le feu de deux parties en conflit. Ces parties en conflit ont des positions extrémistes et font souffrir atrocement ces populations-là.
Dans le sud-ouest, la situation est même plus grave qu'à Batibo. Je sais que vous parlez de Batibo parce qu'il y a deux éléments de l'autorité administrative. Le sous-préfet de Batibo et le délégué régional des affaires sociales pour le nord-ouest. Qui sont pris en otage. J'espère qu'ils sont bien traités et j'espère qu'ils vont revenir sains et saufs. Et j'espère que le gouvernement va faire autant d'efforts pour ces membres de l'administration qui l'ont fait pour les étrangers qui étaient kidnappés par Boko Haram. Et j'aimerais juste ici vous rappeler, M. Doufélé, que le gouvernement camerounais a pu négocier avec Boko Haram, ce qui est un groupe extrémiste religieux. Alors je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas discuter avec ces gens-là, au lieu de mettre toutes ces populations-là entre... le feu de deux parties en conflit qui n'ont absolument rien à voir avec les populations. En fait, un conflit qui ne concerne même pas toutes ces populations-là. Vous savez, quand vous allez au sud-ouest aujourd'hui, je dirais au moins la moitié des villages, les gens vivent en forêt. Ils sont cachés et ils souffrent atrocement. Les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital, les villages sont ensuite rasés. Dès qu'il y a une attaque dans un village, les forces de défense viennent par la suite et il y a une razzia qui s'opère. Il y a plein de gens qui sont en prison, malheureusement parce que ce gouvernement a l'habitude des punitions collectives, comme ils l'ont fait avec Internet pendant très longtemps. Justement, pour répondre à cette crise, à cette escalade de violences meurtrières, le chef de l'État a choisi de créer une cinquième région militaire interarmée avec poste de commandement à Bamenda, jusqu'ici Paul Biafran. D'abord, la sécurisation de ces régions, et on perçoit que la voix du SDF est inaudible dans ce concert de solutions de sortie de crise. Écoutez, j'aimerais déjà dire que le fait de créer une cinquième région militaire démontre à merveille que M. Biya ne sait pas de quoi il s'agit et n'a aucune idée de comment apporter une solution à ce problème, parce que le problème n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. Ce n'est pas avec l'armée qu'on va résoudre les problèmes avec son propre peuple. Si le contribuable paye des impôts pour qu'on ait des forces de défense et de défendre le territoire camerounais et non d'envoyer ses militaires contre les Camerounais, même si on n'est pas d'accord avec eux. J'aimerais juste dire ici que nos forces de défense et de sécurité sont organisées de telle façon qu'on a une armée pour l'intégrité du territoire national et pour défendre notre pays. On a une gendarmerie qui est une police de proximité dans les zones rurales et on a une police. Alors il ne faut pas confondre les choses. Quand vous envoyez des chars de combat dans les villages, etc., quand vous pensez que la solution à une crise politique est essentiellement militaire, vous vous trompez complètement. Parce que tôt ou tard, les Camerounais devront se parler. Une partie des Camerounais ne peuvent pas devenir otages, même si c'est une infime minorité de ces parties du Cameroun. Ils ne deviendront pas otages de la République pour tous les temps. Tôt ou tard, il faudrait se parler. Vous savez, même après un siècle d'apartheid, les Sud-Africains ont su se parler. Même après les atrocités qu'il y a eu en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont su se parler et on a mis un plan Marshall en place pour redévelopper l'Allemagne qui avait commis ces atrocités-là. Donc les punitions collectives, les solutions militaires ne sont pas les solutions aux problèmes actuels. Et c'est pour cela qu'au niveau du CIV, les solutions militaires ne sont pas les solutions aux problèmes actuels. Et c'est pour cela qu'au niveau du SDF, nous le disons depuis fort longtemps, que cette année est une année électorale. Et nous pensons que puisque M. Biya est incapable d'apporter des solutions, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté politique de discuter avec les gens avec lesquels il pense qu'il n'a rien à se dire, mais par contre, il est très fort quand il faut aller discuter avec des extrémistes d'une secte religieuse, notamment Boko Haram. Je pense que tout ce qui reste à faire aux Camerounais, c'est de changer le leadership pour donner un leadership à ce pays qui est capable d'apporter des solutions à ce genre de problème. Et je ne veux pas venir ici vous dire « voilà la solution, voilà la solution ». Je veux vous dire que la solution commence par avoir une volonté de discuter avec ces gens, même si on est fondamentalement en désaccord, parce que qu'on le veuille ou pas, quelque part, ce sont des Camerounais. Justement, des Camerounais qui sont prises en otage, déjà deux autorités administratives enlevées
en l'espace de 2 semaines et des analystes estiment qu'il y a déjà une stratégie qui se dessine derrière les actions menées par ces assaillants inconnus. Ils souhaitent mettre une pression sur le gouvernement afin d'ouvrir des négociations avec le leader séparatiste arrêté au Nigeria et extradé vers le Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Jilingé Nyondé. Batibo, foyer d'insécurité, est le théâtre d'un nouveau kidnapping d'une autorité administrative. 2 semaines après l'enlèvement du sous-préfet, c'est le délégué régional des affaires sociales qui est désormais l'otage des assaillants non identifiés. Il apparaît clairement une stratégie dans les actions menées par les auteurs de ces raptes. Cibler les symboles de l'État, créer le chaos. Le mouvement séparatiste inscrit son action dans une logique de démembrement du territoire camerounais. Ils veulent déposséder le Cameroun d'un territoire et donc ils utilisent ces moyens qui peuvent prendre 2 modalités. La première, c'est qu'il s'agit d'un territoire. Et donc ils utilisent ces moyens qui peuvent prendre 2 modalités. La première, c'est qu'il s'agit d'un démembrement physique du territoire camerounais. On a le sous-préfet qui est notamment le garant de l'ordre sur le territoire. On a par ailleurs le délégué des affaires sociales qui, lui, est le représentant direct du ministère des Affaires sociales. Donc son enlèvement d'un point de vue politique peut être interprété notamment comme une volonté de démembrer institutionnellement ou bien d'éradiquer institutionnellement les autorités camerounaises de cette parcelle du territoire. Le renforcement des mesures sécuritaires n'a pas permis de s'y Voici à quoi ressemble l'essentiel des établissements scolaires de l'arrondissement de Batibo, département de la Momo, dans la région du Nord-Ouest. Bâtiments abandonnés, herbes sauvages régnant en maîtresse absolue, nous sommes ici, au lycée technique de Batibo. Dans certaines salles, les derniers cours ont eu lieu en 2016. Sur les bancs, l'épaisseur de la poussière s'évalue à certains endroits en centimètres. Quelques salles sont fermées depuis des lustres à l'aide de ces cadenas. Parmi elles, certaines avec des machines qui servaient à l'application pratique. Ces machines, en raison de l'usure du temps et de l'abandon, se détériorent au fur et à mesure. Sur les vérandas, animaux et insectes ont élu domicile grâce à la quiétude régnant dans les lieux. Dans cette partie du pays, le système éducatif paye un lourd tribut suite à cette crise anglophone complètement paralysée qu'il est. Ces localités où des assaillants affrontent l'armée régulièrement, vous allez le découvrir dans le reportage qui va suivre, une station de pesage criblée de balles, des personnels qui doivent affronter la peur au quotidien malgré le renforcement de la sécurité avec un déploiement important. Malgré le renforcement de la sécurité avec un déploiement important des forces de sécurité, la situation sécuritaire ne s'est pas vraiment améliorée. Reportage avec nos envoyés spéciaux Eric Massien-Djomo et Innocent Abega. Nous sommes ici au poste de pesage de Bundi dans l'arrondissement de Batibo, un poste de pesage qui fait très régulièrement objet d'attaques qui viennent de toutes parts. De ce côté, l'on peut constater donc ces impacts de balles sur le mur, impacts de balles que l'on retrouve pratiquement sur chacun des côtés des murs de ce poste de pesage. On peut aussi constater en regardant le parking que on retrouve des traces de véhicules brûlés. Il y a des véhicules qui ont tout aussi fait l'objet de vandalisme de la part de ces sécessionnistes. Et selon les témoignages des personnes ici au pesage de Bundi, les attaques sont perpétrées de façon constante. Un pesage qui, faut-il le rappeler, est situé tout juste en bordure de route et la proximité avec la route, selon donc les employés et le personnel militaire en station ici, expose
énormément ce poste de pesage à ces attaques récurrentes de la part de ces rebelles. Et donc, pour ce personnel militaire, l'on est tout simplement sur le qui-vive, un qui-vive qui impose donc un taking permanent, un qui-vive qui impose tout aussi une vigilance des plus accrues pour éviter toute surprise. Je vous annonçais dans ce journal le candidat SDF à l'élection présidentielle, le député Joshua aussi. Invité politique du 20h qui va commenter ce carnet de route de nos envoyés spéciaux, mais avant la réaction des populations prises entre deux feux, celui des assaillants et celui des forces de sécurité. Rencontrés à Batibo, elles expriment le désarroi face à cette escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Reportage avec nos envoyés spéciaux Innocent Abega et Eric Martial Ndiomo. Il ne fait donc pas bon vivre à Batibo ces jours. Parcourir les différents quartiers permet de constater la psychose ambiante. À la vue du moindre étranger, les habitants se cloîtrent chez eux et n'en ressortent qu'une fois rassurés. Ces populations subissent les descentes fréquentes des forces de sécurité et de défense. Cette dame explique à quel point c'est traumatisant. Entre villages morts, absence de cours dans les établissements scolaires, problèmes financiers et pression des hommes en tenue, c'est véritablement infernal selon elle. Des populations généralement partagées entre deux feux, celui des forces de défense et celui des sécessionnistes. Elle s'habitue aux coups de feu constants. Entre s'ouvrir aux forces de sécurité, livrer des informations clés sur les sécessionnistes et se taire pour ne pas s'attirer la foudre de ces derniers, le choix est vite fait. Motus et bouche cousue. En date du 13 février 2018, un groupe et bouche cousue. En date du 13 février 2018, un groupe bien armé non identifié sont passés au centre de santé, demandant aux patients qu'ils veulent voir le chef de centre qui est ici. Les patients ont fait comprendre que le chef de centre n'était pas là. Mais ce gars-là m'ont traversé à route sans savoir que c'était le chef de centre. Ils ont dit aux patients qu'ils veulent m'enlever. Et subitement, ils ont enlevé les armes. C'était une arme de 6 coups. Ils ont tiré partout à l'hôpital, tiré sur les nacos, le plafond, la toiture, le bureau, mon bureau personnel, la maternité et la salle d'accouchement. Donc présentement, le centre est fermé, ils ont tout saccagé. L'administration, exaspérée par cette situation, accuse ces populations de complicité. Car dit-on, à ce niveau-là, elles savent qui sont les auteurs d'enlèvement ou de vandalisme, mais croient faire le bon choix pour leur sécurité en se taisant. Et en partant, ils ont laissé un message à un papa en route que si le chef de centre rentre, dites-lui qui reviendront encore les visiter. Des reportages exclusifs réalisés dans ce foyer d'insécurité à Batibo, qui est devenu le symbole de la gravité de la crise anglophone. Sur ce plateau, avec nous, le député Joshua aussi. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à SDF à l'élection.